Ok, la cheese. Cheese. Mando. Elle est super belle. Ah, je vois. Pour une fois, j'ai pas l'air d'un fou. Il y a des super bons. Je vais te l'envoyer. C'est quoi ton numéro? Ah, j'ai pas de téléphone. Oh, il est brisé. Non, non. Tu l'as oublié? Non, j'ai pas de téléphone. Ah. Ah bon? Ouais, ben vous le savez, là, Yann, c'est un bohème, c'est un artiste. Mais t'as juste pas de téléphone? Non. Donc t'as absolument rien, t'as... rien du tout. Mais en même temps, on est tellement devenus dépendants de ces petites machines-là, moi, je trouve ça rafraîchissant. Mais t'as pas un iPhone, un vieux flip, un page? T'as même pas un téléphone fixe de maison avec le fil dans le spring de 10 pieds? T'as rien? T'es comme un homme loup? T'es Mowgli? Non, j'ai juste pas de téléphone. C'est particulier. Mais c'est un choix philosophique. Ben oui, mais tu fais quoi quand tu veux texter quelqu'un? Hein? Un matin, tu te réveilles puis tu dis, moi je vais... Téléphoner. Téléphoner avec son téléphone. Comme moi, j'en ai un téléphone, puis je téléphone comme une personne normale. Je téléphone avec mon téléphone et j'en suis fière. Hey, tu fais quoi quand tu veux téléphoner quelqu'un? T'es-tu comme dans une secte? Hein? T'es un Amish? T'es Amish! C'est ça, toi, dans le fond, tu fais des chandelles puis tu textes pas le monde. C'est ça ta game! Je m'excuse, Simon, mais j'ai vu des documentaires puis les Amish, ils vont à Disney World puis ils textent. Puis ils textent beaucoup! Ben, là, 100 ans, personne n'avait de téléphone, puis c'était bien correct. Là. Ouais, mais il mourait d'une appendicite à 30 ans, puis de dents dans la gueule avec 22 enfants. T'es-tu comme genre pauvre? Dans le fond, c'est ça. T'es pauvre, t'en veux un téléphone, t'es pas un artiste, t'es juste jaloux. Non, j'ai juste choisi de pas avoir de téléphone. Je trouve ça inspirant, moi. C'est-tu les ondes? Il y a du monde qui sont allergiques aux ondes, ils reçoivent un texto, puis ils ont la diarrhée, c'est ça? C'est les ondes? Qui, de nos jours, n'a pas de téléphone? Tu choisis pas, là, de pas avoir de téléphone. C'est comme les femmes, là, qui choisissent de plus se raser les jambes. C'est socialement inacceptable. Si t'as pas de téléphone, t'existes pas. En ce moment, tu n'existes pas! T'as-tu genre un casier judiciaire, puis tu peux pas avoir de téléphone parce que tu te tiens trop proche des cours d'école, pas de culotte? C'est ça? T'es un pas de culotte de cours d'école? Moi, si je me tenais dans les cours d'école, pas de culotte, je serais pas fier. Mais au moins, ça me donnerait un point de départ pour un dialogue. Excusez-moi, tout le monde! J'ai pas de téléphone parce que j'ai une sexualité déviante. Il y a une logique. Mais juste, j'ai pas de téléphone! C'est de la merde! Écoute-moi bien, toi. T'es pas meilleur que nous autres parce que t'as pas de téléphone. J'ai pas de téléphone. C'est un ami, j'ai pas de culotte, certain.